Le temps, Christophe Herson, après les orages, attention aux fortes pluies dans le sud-est. Oui, en effet, de fortes pluies. Météo France qui maintient 5 départements du sud-est en vigilance orange. Rien n'est joué du côté de la météo. On va voir ça avec Patricia Martin. Bonjour Patricia. Bonjour, c'est Julia Samuel. Patricia, pourquoi Patricia? Excusez-moi. Je ne connais pas qui est cette Patricia, mais c'est pas moi. C'est une collègue de France Inter, ça va pas du tout. Et à noter, demain, venez Bruce. Pour le coup, c'est pas grave. J'ai dit Christophe Herson, oui, et c'était grave. Marc. Excusez-moi, mon cher Marc. Il y avait pas de mal. Je vous laisse continuer. Vous me dites si je vous dérange. Non, ça va. Vous inquiétez pas. Une nouvelle tribune de militaires a été publiée par le magazine Valeurs Actuelles. Elle évoque, elle aussi, le délitement de la France, mais aussi le risque d'une guerre civile. Les signataires seraient des militaires d'active et non pas des retraités. Mais nous n'avons pas les noms. Ils sont restés anonymes. La ministre des Armées, Florence Parly, a dénoncé une grossière machination politique. Pardon. Les mots MAUX de la crise se font une place parmi les autres mots MOTS du dictionnaire. Cluster, vaccinodrome, asymptomatique, tous ces termes et encore d'autres, on va pouvoir les utiliser dans nos prochaines parties de Scrabble. Et oui, Emma, mais vous avez oublié, bien évidemment, l'incontournable de cette crise sanitaire, Covid-19. Facile à placer au Scrabble, hein, quand même. C'est vrai. La surprise de cette cliente d'un supermarché de Pennsylvanie aux États-Unis à la vue de cette femme faisant ses courses sous bulle. Intriguée, elle l'a donc suivie cachée dans les allées pour nous montrer cette invention anti-Covid étonnante. Une cabine intégrale à roulettes en plastique transparent. Le caddie est dirigé grâce à 2 trous pour les bras, les mains sont gantées, mais pas sûr qu'on puisse attraper tous les produits en rayon avec ce système. Nous sommes dans la bêtise artificielle et depuis un moment d'ailleurs... Ah non, elle est véritable. Hein. Non, nous, on est en présentiel. On est en présentiel. De la bêtise en présentiel. Drôle d'ambiance dans les matinales radio ce matin. Oui, aucun des titulaires des matinales n'était là, à la place, rien que des remplaçants. Ainsi, pas de Marc Fauvel à France Info, mais Laurent Sénéchal, pas d'Yves Calvi à RTL, mais Jérôme Florin sur Europe 1. Depuis ce matin, on n'arrête pas de lire, Cluster, l'émission qui aurait contaminé. Là, au moment où je vous parle, on est en direct, Cyril, au moment où je vous parle, il n'y a personne, parmi toutes les personnes qui étaient sur ce plateau, qui ont été contaminées sur notre plateau. En fait, c'est surtout la production de l'émission qui a fait preuve de légèreté, selon nos infos. Pas de test PCR requis pour tous les invités, pas de test rapide. Un des participants m'a dit, on s'est tous dit en arrivant que ça ressemblait à un gros cluster, cette émission. Vous avez été enjoint par le CSA, effectivement, d'inviter un représentant du Rassemblement national dans le cadre de la campagne électorale. Non, je n'ai pas été en joie, parce que je ne fume pas. En disant cela, on a un petit doute quand même. Hein. Oh. Écoutez, prenez-le au gros stade, ceci. Lui, il a fumé, en fait. Oui, mais on n'a pas fumé les mêmes choses. Les avocats, c'est terrible, hein, vous êtes pire. Hein, surtout quand il y a un peu de jalousie. De jalousie? Vous êtes jaloux, Gilbert Collard? Son rêve, c'est d'être le ministre de la Justice de Marine Le Pen. Ouais. Mais il ne le sera peut-être pas. De quoi donc? De quoi, pardon? Le ministre de la Justice de Marine Le Pen, si elle arrive au pouvoir. Ah non, moi je veux être ambassadeur de France au Vatican. Vous voyez? Ben voilà. Oui, bon. En esas raíces enfermas, encontramos el virus del individualismo, que no nos hace más libres, ni más iguales, ni más hermanos. Quelles sont vos initiales, Jérôme? JC. JC comme Jésus-Christ. Exactement. C'est marrant parce que mettez les bras comme ça, il y a quand même un petit air. Hein. Il y a quand même un petit air. Gilbert Collard, vous êtes... plaisir au pape. Je pourrais prier pour vous. D'accord. Et je me rappellerai toujours quand vous disiez « Fermez-la, El Kabash ». Ah ben, vous voyez, non, un de plus, et ça ne m'a pas empêché de parler, vous voyez. Pas, voilà. Non, est-ce qu'il vous reste des amis encore? Ce n'est pas original. Est-ce qu'il vous reste des amis en France? Gilbert, soyez gentil avec Jean-Pierre, parce que... D'abord, soyez gentil avec Jean-Pierre El Kabash, parce que c'est quand même... Il est fragile, oui, il est fragile, oui. Vous avez dit que vous étiez quelqu'un d'une origine assez riche. Vous habitez de Vincennes. Bon, vous habitez à Vincennes. Oui, j'ai réussi. Et qu'est-ce qui vous a pas la quartier riche. Qu'est-ce qui vous a poussé sur une opération de police à traiter les policiers de bâtards, alors que les policiers ne vous ont, à mon sens, j'ai jamais rien fait. J'ai pas traité les policiers de bâtards. Vous n'avez pas été condamné pour ça? Si, mais c'était une blague et c'était sur Twitter. Ah d'accord. C'est pas grave. Bah, c'est peut-être ça la décadence de notre société. Moi, je dois avouer, ma grand-mère m'a avoué qu'elle a vécu l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle m'a dit qu'elle elle le supportait moins bien. Notre situation actuelle que la Seconde Guerre mondiale avec l'occupation allemande. Donc c'est quand même... C'est très, très dingue, pour ça. Elle.
On va pas tenir tout le truc là-dessus, j'ai pas traité les policiers de bâtards. Oui, la notoriété peut-être. Pardon ? La volonté d'être, d'être notoire dans ce genre de propos vis-à-vis des policiers parce que c'est la mode. Bon, vous avez un niveau d'imbécilité qui est étonnant. Voilà. Quand on est dans l'insulte, c'est qu'on on a pu se parler en se respectant. Messieurs, dames, n'hésitez pas, hein, une petite pièce, allez-y, si jamais mon tweet vous a plu. C'est Twitter qui est en train de lancer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Type Jar, que l'on peut traduire par boîte à pourboire. Vous savez, comme ces boîtes que l'on retrouve fréquemment à côté des caisses, notamment aux États-Unis, que ce soit dans les salons de coiffure, les restaurants ou encore toutes les boutiques, les Américains ont pour habitude de vider leurs poches pour récompenser les employés. Eh bien, Twitter propose à peu près le même système, mais sur le net. Florine, elle est prothésiste angulaire. C'est un peu cliché, hein, mais toutes les esthéticiennes coiffeuses que j'ai rencontrées, c'était débile. Au début, je n'étais pas sûr quel pied danser. Je me suis dit, elle est prothésiste angulaire, mais elle écrit bien. Peut-être qu'elle a un bon correcteur automatique, hein, on ne sait pas. Nous aimerions que vous puissiez vous entraider les uns les autres, annonce fièrement le réseau social, eh bien, qui encourage les utilisateurs à saluer par exemple l'anniversaire d'un abonné que vous aimez bien en lui envoyant un petit peu d'argent, ou encore pour le féliciter d'un tweet bien senti qui aurait créé le buzz. N'allez pas croire qu'Elon Musk se lance dans le stand-up. Le milliardaire a néanmoins choisi le biais de l'humour pour révéler être atteint du syndrome d'Asperger. J'ai réinventé la voiture électrique et j'envoie des gens sur la planète Mars à bord d'une fusée. Vous pensiez vraiment que j'étais un gars détendu et normal ? Tu vas pas rester comme ça toute ta vie. Mais je vais me reprendre en main. Quand même, tu croises un épileptique qui convulse. Vous savez, la raison essentielle pour laquelle on meurt, c'est parce qu'on vit. Voilà. On meurt parce qu'on vit. Donc vivons. Autrement, ça sert à rien. À condition que ça dépende de nous. C'est la vérité. Oui, mais à condition que ça dépende de nous. Si ça dépend du voisin qui s'en fout. Ah ben oui. C'est très philosophique.